pour la Martinique. Ça y est, on y est. Et notre habituelle petite escale parisienne. Ça caille, hein. Vivement qu'on aille au chaud. Et enfin, nous voilà arrivés, on a récupéré nos bagages, ça a été assez long. Et maintenant, récupérer la voiture. Allez, pousse! On part pour Sainte-Luce. On quitte Fort-de-France, on approche de Sainte-Luce. Ça y est, on est arrivé à notre résidence Père et Vacances, au village de Sainte-Luce. Et cette petite allée qu'on aime tant. Et ça y est, on s'installe tout juste au Trinidad ici. Au premier étage, face à la mer. Ah, un coucher de soleil dans quelques instants. Est-ce que l'appartement convient à ma chérie? J'ai l'impression que oui, hein. Je vois qu'elle fait déjà le tour du propriétaire. Alors, allons profiter de suite de notre vue. On y est, mon cœur. Et voilà notre bâtiment, le Trinidad. On va aller déguster notre premier planteur du séjour. Avec ma chérie. Ça y est, il y a nos petites grenouilles qui nous ont accueillis. On les entend d'ailleurs. Ça y est, ma chérie aux deux anges. Elle déguste son premier planteur du séjour. Et voilà, il est 6h du matin et on va essayer de guetter notre premier lever du soleil du séjour. Et de l'autre côté, on a le diamant ici. Et notre logement là-bas. Un bâtiment qui part ici. Il va galoper. Et pendant que je filmais le lever de soleil, ma chérie qui nous a préparé un magnifique petit déjeuner avec l'une des plus belles vues, on peut le dire. Cette vue. On va essayer d'en faire profiter. Hein. Il y a déjà des gens en bateau. Ça y est, c'est parti pour notre première balade ici le long du sentier en partant du village de Sainte-Luce, enfin du village vacances, et direction les différentes anses en remontant vers le nord. Quelle magnifique plage, au pluriel hein, bien sûr, toute superbe. Et on arrive à l'anse Corps de Garde. Et on voit ici quelques yoles, des embarcations traditionnelles ici en Martinique, superbement posées ici sur la plage. Et c'est parti pour notre première shower tropicale. Shower strong, hein. Et ben écoute, hein, après cette pluie. Première petite shower, le retour du beau temps. C'est pas mal chaud. Non, hein. Et oui, ma chérie, on se régale à redécouvrir ce coin de paradis avec ses couleurs magnifiques. Et là, on longe de magnifiques villas sur le bord de mer, alors qu'il est très très érodé. Et nous sommes arrivés au bout de notre balade, on redescend à présent vers Sainte-Luce. Et là, face à nous, on a Sainte-Luce qui est par là-bas. Et on continue notre balade direction Sainte-Luce. Voilà, on se prend un coup une averse et un coup un soleil magnifique. C'est le charme des Caraïbes. Premier bain ici en Martinique cette année. Elle est super bonne. Oh putain qu'elle est bonne. Oh, quel régal. Ah, le top, hein. Et on continue avec deux délicieux planteurs. C'est dur de rien faire, hein. Santé.
Et on attaque notre petite assiette créole. Et ce soir, nous sommes au Oulabide à Sainte-Luce. Déguster un délicieux planteur. Changement de chauffeur ce soir. Moi, je suis un petit peu fatigué. Je vais rester côté passager. Vendredi, il est 6h du matin. Et un bon petit déjeuner pour attaquer la journée avant d'aller en direction des Anses, du Four, d'Arlé, etc. Ça y est, ce vendredi matin, on est prêt, paré pour aller en ce noir, en ce du Four, je crois, et les Anses d'Arlé. C'est tellement dense qu'on dirait qu'il fait nuit noire. Alors on a décidé de commencer par un petit tour à l'Anse Noire, même si on ne s'y baigne pas. C'est au moins pour le coup d'œil. Et ici donc, tout en bas de l'Anse, pas mal de pêcheurs ce matin, des bancs de sardines. Ah, la montée est moins facile forcément que la descente. Et une petite vue d'ensemble de l'Anse du Four. L'Anse du Four en créole. Et encore un petit aperçu de la plage ici de l'Anse, c'est du Four. Et nous voilà sur le petit cap, le petit éperon rocheux qui sépare l'Anse Noire à ma droite et l'Anse du Four ici à ma gauche. Avec un petit sentier un peu escarpé pour y arriver, mais nous y sommes. Toujours les petites couleurs créoles ici aux Anses d'Arlé. Superbe. Et le plus grand commissariat de France, ici aux Anses d'Arlé. Superbe, un petit bijou à côté de la bibliothèque. Petit tour à l'Anse d'Arlé, où ici non plus on n'aura pas vu de tortue pour le moment. Et un petit tour dans les Anses d'Arlé avec toujours cette magnifique église si caractéristique de ce petit coin de paradis. Pour ceux qui n'ont pas créole, ce petit repas créole et cette grande pierre créole. Et on quitte les Anses d'Arlé, direction le Diamant. Alors là, on peut dire que c'est raide de chez raide. On peut s'arrêter à la maison du Bagnard ici. Alors en fait, cette petite maison a été construite par un ancien Bagnard qui a passé de nombreuses années dans une petite cellule. Et qui donc a construit cette minuscule maisonnette où il a réellement vécu pendant plusieurs années. Petit arrêt au mémorial des 110, en l'honneur d'un bateau d'esclaves qui avait fait naufrage ici. Voilà enfin sur la plage du Diamant. Ça souffle toujours autant, avec de superbes rouleaux. Et nous voilà au Diamant, où il y a pas mal de vent. On a Diamant juste en face.
Elle est pas à côté de toi? Et non, ça c'est mon bijou. Ça. Et comme on n'a pas assez marché, on va aller se faire un petit coucher de soleil ici sur la plage, une des Anses, Sainte-Luce. Et on savoure, parce qu'il est 17h et dans 20 minutes, 25 minutes, le coucher de soleil. Ça a monté mon cœur. Je suis pas en reste. Hein. Ah, santé. Samedi, petite balade avant de se faire une matinée jet ski aujourd'hui. Et voilà les bolides qui nous attendent ici pour cette excursion d'un peu plus d'une heure. Ça y est, petit briefing terminé. On est prêt. On est prêt, on attend le moniteur pour cette sortie. Et on va décoller. Et on part avec Alex. On part faire notre rando. Petit stop à la pointe borgnaise. Alex qui nous donne une petite explication ici. Alors entre deux averses tropicales, mais c'est pas désagréable, ça rafraîchit en fait. Hein. Alors là, des couleurs magnifiques. Là, il y a le soleil qui a pointé le bout de son nez. Notre partie mangrove. Ah, c'est franchement le kiff, le méga kiff. Waouh, c'est pas beau ça? Alex, attends-nous! C'est quand même pas mal comme plage, hein, comme endroit. Paradisiaque, les salines du jus de la mer. Pas vrai, Alex? Attention, j'y vais. Et voilà, c'est fini. Alors, on est fracassé par cette matinée jet ski. On a fait les jeunes. On a fait les jeunes et maintenant on en paye un peu les conséquences. Donc on va aller faire une après-midi un peu plus tranquille. Et là on peut assister au retour d'une yole. Les embarcations traditionnelles ici en Martinique. Alors vu comme on est fracassé après la sortie de ce matin, on est venu se faire une balade ici au village de Sainte-Anne. L'une des rues principales de Sainte-Anne. Et on continue à déambuler dans les rues de Sainte-Anne avec de magnifiques fresques ici. En bon gourmand que nous sommes, on n'a pas pu résister à de délicieuses glaces ici à Sainte-Anne. Les gourmands que nous sommes ne faisons pas semblant. On est là pour une délicieuse glace. Elles sont excellentes. Sur le retour de Sainte-Anne en direction de Sainte-Luce, on fait une halte à Lens-Figuier. Alors ici à Lens-Figuier, on voit le soleil au loin, le diamant sur la droite. Ça devrait pas tarder à se coucher. Eh oui. Une photo qui bouge, c'est un... C'est un film. Bien.
Et ce soir encore un magnifique coucher de soleil ici. Et nous voilà de retour à Sainte-Luce. Et ce soir, on va rester tranquillement chez nous. Oui, cette journée bien chargée. Rien de tel que de profiter de l'endroit. Dimanche matin. Hello. Hello. Alors on va attaquer par théoriquement un peu de snorkeling à la pointe borgnaise. Ça y est, on est arrivé sur le site de pointe borgnaise ici. Alors ça se verra peut-être pas en image, mais la descente est quand même assez raide là pour atteindre notre plage. Alors vu qu'on est seul au monde, on va se trouver un petit coin pour se caler. Alors ce matin c'était un faux départ. Après être allé faire un petit tour à la pointe borgnaise, finalement on a préféré revenir chez nous ici à Sainte-Luce. Et ma chérie qui est déjà à l'eau, on n'aura pas résisté longtemps. Au plaisir ici. C'est notre plage préférée. À midi, on a retrouvé notre petite cantine Cavadidi. On va se régaler avec un planteur et quelques acras. Là, un touriste. Bonjour, bonsoir. Pas mal comme ça, hein. Et là, on attaque notre petit duo cabri-agneau ici sur la plage chez Kaijiji. Comme toujours un vrai régal. Avec une petite Lorraine locale. Voilà. Et après ce très bon repas au Kaijiji, retour par le sentier côtier. Et ça y est, on a trouvé notre petit coin de paradis ici. Ma chérie est en train de marquer notre territoire. Et ce dimanche soir, on va aller manger à Sainte-Luce, à Casacoco. Et ça y est, nous voilà donc au Casacoco ici, en début de service. Très sympa, ici à Sainte-Luce. Alors, histoire de ne pas perdre la main, un délicieux planteur. Et nous voilà partis ce lundi matin. Il est 7h. Direction, théoriquement, on va aller à la presqu'île de la Caravelle. Et peut-être que nous irons également visiter l'habitation Clément sur le retour. Et on descend de l'autre côté, côté est. À droite maintenant, après les champs de bananes, c'est les canasses. Et nous avons attaqué la presqu'île de la Caravelle, avec ici une vue sur l'océan. Ça y en a, on s'est garé et nous voilà donc au départ de cette balade en direction de la baie des trésors. Donc on devra en avoir pour une heure et demie à peu près. Et nous voilà partis sur le petit sentier. Et comme tout ce qui descend finit toujours par remonter, c'est l'inverse. Ah ouais, c'est magnifique. Et là, nous voilà traversé un petit bout de mangrove ici. Alors, on ne doit plus être très loin de la plage. Elle était indiquée à 200 mètres environ. Ça y est, on est arrivé à la baie des trésors. C'est juste... Oh ouais, carrément. Qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Magnifique, hein, vraiment. Et on continue sur les berges, ici, sur les plages de cette baie qui est vraiment très très belle. Et c'est parti pour la petite randonnée de retour de cette jolie baignade. Je crois que c'est les nuisibles par rapport au moqueur, c'est ça. Hein. Et vous en faites quoi? Alors lui, c'est pas une espèce invasive. Ouais. On le prend et on le ailleurs dans un bois. D'accord. Plus loin. D'accord. Et on continue notre retour vers la voiture. Oui, encore pour un petit moment. Et sur un dernier sprint,
Voilà, mon chéri, on est ici devant le château du Buc. Alors après l'effort, le réconfort, petite pause dans un petit resto créole ici, au bord de l'océan, à la Tartane. L'habitation Clément. Et on attaque la visite de l'habitation Clément ici. Inspire le voilà et la majesté. Son tronc au bord du sentier bordé de palmiers royaux. Le palmier royal a besoin de beaucoup de chaleur et d'une atmosphère humide pour un épanouissement complet. Et nous voilà présents sur cette magnifique allée de palmiers royaux. Alors on est monté jusqu'au moulin à bête ici au-dessus de l'habitation. Et on arrive au chai ici de la distillerie. Alors on ne peut pas restituer le parfum, mais waouh! Oh que ça sent bon! Et comme toujours, la minute culturelle ici dans l'habitation à l'auditorium. Et on poursuit la visite en allant visiter maintenant l'intérieur des machines. Et nous voilà maintenant au-dessus des cuves. Vraiment très très beau bâtiment. Et d'autres chais ici, le chais Charles Clément et Homer Clément. Alors là aussi, on ne peut pas le partager sur le film, mais il y a de ces vapeurs. Waouh, on va être bourré rien qu'en respirant ici. C'est trop beau. Ah, le domaine est vraiment immense. Et on arrive à la maison créole ici. Et de la structure en bois misanée et le découvrir des éléments de décoration anciens qui ont été restitués. Alors on n'avait vraiment pas assez marché ce matin. Je crois qu'on n'en peut plus. Ça chève. Je pense qu'on approche du paradis. Ça y est. Alors on en est au 18e. Non, 3e, 4e. Ils sont excellents. Mardi matin. Alors, ce matin, on est allé à Fort-de-France via le traversier qui part de Pointe-du-Bout. Et on devrait rejoindre Christophe. Enfin, le retrouver en tous les cas sur Fort-de-France. Salut Christophe, si tu m'entends au moment où cette vidéo est diffusée. Petit clin d'œil. Voilà, sous un soleil magnifique, après une belle averse. Encore on traverse un village vraiment caractéristique des Caraïbes, avec des anciennes maisons, là aussi typiques de la région. Et la marina ici de Pointe-du-Bout, où on attend à présent le traversier pour aller en face à Fort-de-France. Et toujours à Fort-de-France, donc devant la bibliothèque Schwelfer. Bon, je sais pas trop, je le fais sans l'accent. Et un rapide aperçu de l'intérieur de la bibliothèque. Très joli bâtiment, avec des vieux bouquins là-haut à l'étage. On est dans l'ambiance ici, Fort-de-France. Et là, on est devant l'église, toujours à Fort-de-France, ici, avec son magnifique clocher. Et on arrive au marché. Et une vue d'ensemble, ici, sur le marché, où on vient de réserver pour midi chez Geneviève. Et ça se passe comme ça dans les Caraïbes, à nouveau une belle averse, alors qu'il fait super chaud et qu'il va sûrement y avoir du soleil à nouveau. Alors, pour
changé aujourd'hui. C'est juste une limonade et c'est sans alcool, hein, je précise. Et on continue à découvrir les rues colorées de Fort-de-France. Alors pour une fois, c'est pas pour faire du paddle. C'est un peu pour picoler. Et puis j'avais pas vu qu'ils étaient assortis tous les deux. Je suis là, je suis regarde. Voilà, avec les deux sœurs paddle, mon pote Christophe et sa petite famille. On s'est trouvé ici à Fort-de-France. On passe un petit moment ensemble. Ça te plaît ça? Le marché d'artisanat local, ici sur les quais. Alors le temps a bien changé depuis ce matin. Et ça y est, on arrive à la pointe du Gou après avoir fait une halte aux Trois Îlets. Comme ce soir, on a décidé de rester tranquille à la maison. Ma chérie nous a concocté un délicieux féroce d'avocat. Non, c'est pas, c'est un guacamole. Et ben ça ira très bien qu'on accompagne d'un délicieux planteur qui vient tout droit du marché de Fort-de-France. Alors, mercredi matin, on va aller cette fois-ci à Saint-Pierre où on va passer la nuit. Et entre temps, on va aller faire du snorkeling et visiter un petit peu le nord de l'île pendant deux jours. Notre route vers Saint-Pierre. On voit Saint-Pierre dans le fond et là-haut, la montagne Pelée qui, comme bien souvent, a la tête dans les nuages. Et histoire de ne pas perdre l'entraînement. Santé, petit planteur, hein. Pas bien mérité. Décidément, on s'en lasse pas. Hein. Pour cet excellent repas, on va récupérer les clés de notre hôtel et théoriquement visiter la distillerie des Paz. De Paz, des Paz. Allez, on traverse le village de Saint-Pierre qui avait été rasé par l'éruption volcanique. Il y avait eu, je crois, 35 000 morts. Et avant de récupérer notre chambre d'hôtel, on vient faire un petit tour ici sur l'Anse-Céron. Et nous voilà arrivés à Saint-Pierre. Et ça y est, nous y sommes, face à la mer. Waouh! Waouh! Ça y est, nous voilà bien installés. Et on va à présent aller voir la distillerie de Paz. Alors voilà encore des vestiges d'anciennes habitations qui ont été détruites par l'éruption volcanique. Ah, la végétation est bien dense. Et on arrive à la distillerie. Quand vous êtes face à la numérotée, nous voilà partis pour la visite de la romerie. Alors là, on prend la direction du château que nous allons pouvoir visiter. Et là, on attaque par le hall du château. Ah ouais, c'est magnifique, là, les cuves. On continue la visite, c'est super beau.
Et là, on est dans la partie la plus intéressante où on trouve les chais de vieillissement. Et comme l'autre jour, si on pouvait faire partager le parfum ici qui se dégage, juste devant un tout petit arbre, n'est-ce pas? Il est majestueux. Wow. Et après tous les efforts qu'on a fait aujourd'hui, on décolle un bon jus de fruits sans alcool, ici, sans rhum. Et un petit aperçu des habitations, des ouvriers qui travaillaient à l'époque dans les plantations. Et après cette visite, on termine par une très bonne dégustation de rhum. C'est franchement un régal. Et en redescendant de la distillerie de Paz vers le bord de mer, on est ici sur les vestiges de l'église, qui elle aussi avait été détruite par l'éruption volcanique de 1902. Quel magnifique site! Franchement, c'est vrai que c'est impressionnant. On reconnaît bien encore la structure de l'église. Vraiment un site magnifique à découvrir. Puis voilà, avec le soleil qui est sur la fin de journée, ça donne des couleurs superbes. Alors là, on arrive aux ruines du théâtre et d'une ancienne prison. C'est super, beau site. Bien la prison là-bas. Et là, collé au théâtre, on a les ruines de l'ancienne prison, ici, juste là. Et ici, là, on a le cachot de Cyprien, qui était le seul survivant de la catastrophe de 1902. Alors, ma très chère, avez-vous apprécié cette visite? Ouais, c'est franchement à voir. Hein. Alors là, il fait nuit noire, parce qu'on a pas mal cherché ce soir pour aller manger quelque part, et on a retrouvé le petit bonhomme, qui est un resto de plage qu'on avait découvert l'année passée. Mais c'est un petit bijou ici sur la plage. Et histoire de ne pas perdre l'entraînement. Et ce matin, on se réveille avec un magnifique arc-en-ciel qu'on peut voir dans sa totalité. Et en ce jeudi matin, on se réveille ici sur Saint-Pierre où on a passé une très très bonne nuit dans la villa Saint-Pierre qui serait ici derrière moi. Là. On dirait qu'il fait gris, il fait un petit peu gris effectivement, mais 30-31 degrés là pour le moment, à 8h du matin. Et nous sommes parés pour un délicieux petit déjeuner ici. Ça a l'air bon. Et un survol de pélican juste au-dessus. Jeudi matin, c'est parti pour une heure de route en direction de Grand-Rivière, à l'extrémité nord de l'île de la Martinique. Renoncer à monter vers Grand-Rivière. De façon définitive, c'est vraiment de la grosse pluie, donc c'est inutile d'aller jusque là-haut. Alors à défaut d'avoir pu aller jusqu'à Grand-Rivière, on s'arrête au domaine des Brodes avec un temps magnifique, comme on peut le voir avec nos superbes tenues. Voilà, on met à profit malgré la météo, mais finalement pour visiter, c'est peut-être pas plus mal. Un véritable paradis vert ici, superbe. Et là, on va attaquer les sentiers forestiers ici du domaine de l'Émeraude. Alors, lequel on va choisir? Le circuit de 1 heure, tant qu'à faire. Hein. Le circuit de 1 heure. Ah bon. Ah, on peut pas dire que ce ne soit pas vert ici. Hein. Et même nous, effectivement. Et on continue à s'enfoncer dans la forêt ici. C'est super agréable. Quelle élégance, n'est-ce pas? Nous avons perdu José. José, où es-tu? José à la recherche de José.
Waouh, la taille des bambous. Ne jamais partir sans eau. On le sait pourtant. Hein. Et on poursuit cette superbe balade. Ici dans la jungle, pour de bon. Ah oui, on allait même sur le balcon à la maison. Ah mais je crois qu'ils n'ont pas tout à fait la même taille. Hein. Il me semble. Hein. Je pense que ceux-là sont un petit peu plus gros d'ailleurs. Hop là. Waouh. Et encore des bambous extraordinaires. Alors à quelques milliers de kilomètres de la maison, faut le faire quand même. Hein. Salut Pascal. Viens toi. Alors il paraît qu'ils annoncent de la pluie pour bientôt. On s'est arrêté au bon moment. Et on passe maintenant à la visite des serres. Alors on ne peut pas y rentrer pour des raisons sanitaires. Et là une autre serre. Et oui, il pleut pour de bon. Hein. C'est improbable, on a décidé de se faire une petite crêpe ici en Martinique. Voilà. Non, c'est pas un cyclone, mais ça souffle pas mal et ça drache. Là, c'est encore bien gris et ça devrait encore pleuvoir aujourd'hui. Donc on va en profiter pour aller balader à Sainte-Luce. On se prendra sûrement une saucée sur la tête à un moment ou à un autre. Et on prend le chemin en direction de Sainte-Luce. Bonjour monsieur. Bonjour. On voit qu'ici, l'eau a bien rongé la plage. Il en reste pas grand chose d'ailleurs. Et là on est sur le ponton de Sainte-Luce. Alors derrière nous là-bas, il y a les pêcheurs du coin. Et voilà, elle est arrivée. On savait que ça arriverait. Bah, ça y est, ça tombe. Mais on s'est trouvé un petit coin pour s'abriter avec ma chérie. 5 minutes d'averse et c'est bon, c'est reparti. Et on va prendre le chemin du retour. Ah ben je crois que c'est l'heure de mon petit chanteur, non ? Alors comme je le disais, ça va se dégager. Hein. Alors c'est pas flagrant pour le moment, mais c'est parti pour s'améliorer. Hein. Quand on sera de retour, ça sera pour écouter nos petites grenouilles. Et un petit aperçu du restaurant avant que ça se remplisse. Oh, c'est sympa comme endroit ici sur place. Samedi matin, avec ce magnifique beau temps, on va partir vers le sud, vers les plages de Sainte-Anne. Ça y est, nous voilà sur la magnifique plage de Sainte-Anne. Et face à nous, on assiste à la mise à l'eau d'une embarcation traditionnelle en Martinique, une yole. Là-bas, c'est le ventre. Ok ? Deux personnes seront derrière avec moi, et là-bas. Ça y est, ça démarre. Alors on l'a bien mérité parce qu'on a quand même pas mal pagayé. Un bon petit planteur ici à Sainte-Anne
ça loupe. Et là, une superbe vue sur toute la plage de Sainte-Anne, là-bas jusqu'au bout. Et on arrive à la distillerie Trois-Rivières. On va terminer par une dégustation actuelle. Alors ce soir, on est reçu par Pascal et Didier dans la Casabois. Waouh, franchement, superbe maison ici sur les hauteurs à Sainte-Luce. Canon, waouh. Ah, ça va en faire rêver plus d'un. Hein. Ce dimanche matin, on devrait aller se faire la savane des pétrifications, petite plage des Salines. Et c'est parti pour cette belle balade. Alors, comme on peut le voir ici, il y a une sacrée érosion de la côte et ça a même bien empiré par rapport à l'année passée. Paradisiaque, non? Et là, on poursuit notre balade à la brille de la forêt qui est assez dense ici. Chaussures. Eh, je crois qu'il va falloir là. Hein. Alors là, on vient de traverser avec de l'eau à mi-cuisse et ma chérie poursuit après ce petit pont qui était là au milieu de la rivière. Waouh, franchement magnifique. Avec donc les Caraïbes à droite et l'océan Atlantique à gauche derrière les falaises qui sont là-haut et qu'on va donc dépasser à présent. Et ça grimpe en direction des falaises. Ah ben au moins ça a le mérite d'être clair, n'est-ce pas? Strabo là-bas tout au fond. Ah, c'est bien agité aujourd'hui. Là, des couleurs ocre ici au milieu de ce vert. Et on arrive sur une vue magnifique sur cette superbe plage. Il y a un petit passage ombragé qui ne fait pas de mal. Magnifique. C'est le premier vol de Drody. Et nous voilà sur le retour. Toujours avec ces magnifiques cactus à perte de vue. Et ces couleurs magnifiques là en revenant et en repassant par ces petites plages. Ouh, les pieds. Et ça y est, nous voilà de retour en direction de la plage des Salines. Des couleurs encore extraordinaires, n'est-ce pas? Du coup, rien de tel qu'un bon petit campeur ici.
cette fois-ci, on n'a rien à dire, juste à admirer. On profite de ce magnifique coucher de soleil ce soir encore. Alors ce soir, on s'est fait quelques pizzas ici à la maison, avec un petit planteur et avec ma petite chérie. Pour admirer la petite pluie qui tombe finement. Alors lundi matin, on rejoint Pascal et Didier aux Anses d'Arlée pour une journée sur l'eau aujourd'hui à bord d'un bateau qu'ils ont réservé. Et nous voilà aux Anses d'Arlée, ici de bon matin. Et voilà donc l'embarcation que nous allons récupérer avec Didier et Pascal. Capitaine Didier. Ce n'est pas parce qu'on est sur l'eau, on ne va voir que de l'eau. Un bon petit planteur ici qui vous est proposé par Pascal et Didier. Santé. Voilà de retour à Petit Anse d'Arlée après cette magnifique journée. Le bourg. Et on arrive avec un magnifique arc-en-ciel là juste au-dessus. Alors, mardi matin, dernière journée complète ici sur l'île de la Martinique. On va profiter pour savourer la plage jusqu'au bout. Notre chouchou, les Salines. Et encore un superbe aperçu de cette plage des Salines avec son sable fin à perte de vue. Tout au fond, on voit le rocher là-bas du Diamant. Petit repas créole. On va se laisser tenter par une gourmandise locale. Alors madame m'ayant permis de filmer, comme elle l'a si bien dit, ça lui fera de la pub, un bon sorbet martiniquais. Merci.
On va aller se rafraîchir un poil, même deux. Et pour cette dernière soirée ici en Martinique, eh bien, nous allons terminer par là où nous avons commencé, c'est-à-dire au Poula Vida ici à Sainte-Luce. On va terminer les plus nombreux, effectivement. Voilà, deux nous étions et quatre nous sommes ce soir. Voilà, et on a pas vu. Santé, les amis. Santé. Santé. Et voilà, c'est la dernière journée en ce mercredi matin. Bonjour. Bonjour. Et les bonnes choses ont une fin. Et on profite encore de la vue. Ça nous fera plaisir cet hiver. Et voilà, on profite de notre plage ici à Sainte-Luce. Waouh, paradisiaque, non? Et là, droit devant nous, une magnifique yole à la manœuvre. J'ai l'impression qu'ils vont tirer un bord, pas certain. Quasiment. Et ça y est, c'est parti. Et oui, on va devoir se rentrer. Et ça y est, me voilà rendu sur le lieu de restitution de la voiture. On m'a ramené ici à l'aéroport Aimé Césaire, où ma chérie m'attendait tranquillement sur le banc derrière. Et ben voilà, les bagages, check, c'est fait. Ça y est, on embarque, Le dernier coucher de soleil ici en Martinique. Ah bon vol, on vient juste d'arriver. Ici, préparez-vous pour l'atterrissage. Alors mon cœur, qu'as-tu pensé de ce séjour? Il fut bon. À renouveler et à consommer sans modération, oui, c'est ça? Chaque année, une petite dose de Martinique. Bon, on va voir comment on va goupiller ça pour renouveler l'opération.